Dans cette aide, nous allons découvrir le fonctionnement du réseau d'apprenants sur edubraise.com. Pour commencer, toute personne abonnée devient membre du réseau. Il suffit de cliquer sur le nom d'un membre ou l'avatar qui le représente pour afficher une page qui lui est propre. Cette page affiche immédiatement les informations sur le membre. Ici, Erwan. La page fait apparaître les dernières activités d'Erwan, mais aussi l'activité de ses amis ou des groupes auxquels il est inscrit par exemple. Chaque membre dispose d'un profil qui lui est propre. Les membres peuvent devenir amis, se citer ou s'envoyer des messages privés. Pour suivre une conversation, vous devez vous inscrire à un groupe. Plusieurs groupes, avec des thématiques différentes, existent par défaut. Une fois inscrit à un groupe, vous avez accès à des sujets de discussion ciblés sur la thématique du groupe. Ces sujets constituent les titres des forums. Vous pouvez participer aux forums existants ou créer de nouveaux sujets, comme dans cet exemple. Dans le groupe Rendez-vous bretonnant, nous allons créer un nouveau sujet. Il nous suffit de poster et le sujet est créé. Lorsque le sujet est créé, chaque membre peut réagir en cliquant sur « Répondre ». Il est possible de recevoir une alerte mail en cas de réponse en cliquant sur « Suivre ce sujet ». Maintenant, c'est à vous de jouer. Contactez d'autres membres pour vous faire des amis et communiquez sur les forums pour une pratique régulière.